Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Que le Seigneur soit loué, c'était très merveilleux. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur soit loué. C'est toujours important de passer de tels moments dans la présence de notre Seigneur. Amen. Et je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce soir de prendre parole et de transmettre ce dont il a prévu pour son peuple. Et en deuxième lieu, mes remerciements vont tout droit à l'endroit du révérend le pasteur Manassé pour la marque de confiance. Au fait, Nazamo Payate, alléluia. Donc, Nakuloba, je suis l'enfant de la maison. Et je me sens vraiment très à l'aise. Mais merci beaucoup parce que j'ai trouvé beaucoup de changements. Des changements en bien, pas mal. Alléluia. En tout cas, la dernière fois quand je suis venu, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais je vois beaucoup de nouveautés. Et ça fait très bien. Parce qu'avec Dieu, il y a la progression. Quelqu'un a dit que là où il y a la présence de Dieu, il y a les progrès. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce que vous avez fait? Nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et je sais qu'on a passé beaucoup de temps dans la prière, on a adoré, c'était vraiment merveilleux. Même pendant que j'étais dans le bureau du pasteur, j'étais connecté à vous, et je priais, c'était des moments merveilleux. Alléluia. Mais nous avons un thème que nous partageons, ou que nous allons partager tout au long de ces 14 journées. Et le thème c'est « Nos lampes doivent rester allumées ». Donc, doivent s'allumer toujours. C'est ça le thème, je vous... C'est ça le thème, je crois. C'est ça. Alors, si c'est le thème, vous dites « Amen ». Dites « Amen » avec force. Et acclame aussi très fort pour la gloire de Dieu. Nous allons lire le texte de base. C'est Exode chapitre 27. Si quelqu'un dans l'assemblée a trouvé, peut lire. Exode 27. Du 20e verset jusqu'au 21e verset. Exode 27. Je peux lire très rapidement. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant les témoignages qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brillent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire avec moi « Amen ». Au fait, ici nous sommes dans... Je voudrais d'abord situer le contexte où cette parole
a été donné, communiqué à Moïse par Dieu. Les enfants d'Israël, après être libérés de l'esclavagisme de l'Égypte, ils sont sortis pour une destination. La destination, c'était la terre promise ou la Palestine. Alors, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Dieu les a fait passer par le désert pour multiples raisons. Alors, arrivé dans le désert, Dieu a invité Moïse à la montagne de Sion pour recevoir ce que j'appelle les cadres juridiques dans lesquels le peuple devrait évoluer tout en étant dans la terre promise. C'est-à-dire, lorsqu'il devrait arriver à la terre promise, il ne pouvait pas vivre comme dans une jungle. Dieu a donné un certain nombre de lois pour que le peuple puisse vivre harmonieusement et conformément à sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Alors, et parmi, déjà dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer ce qu'on appelle les tabernacles. Les tabernacles, c'est un temple en miniature, un temple portable. C'est une tente démontable et en même temps aussi portable. Pour qu'à chaque fois qu'ils devraient évoluer, parce que dans le désert, ils ont fait combien? 40 ans. Et Dieu savait que pendant 40 ans, ils allaient passer dans le désert. C'est toute une génération. Alors, ils devraient prier, adorer Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, il lui a donné l'intelligence de fabriquer la tente. Il a donné toutes les mesures, tout ce qu'il faut pour faire cette tente-là. C'est-à-dire qu'après une marche, il devrait arriver quelque part, s'arrêter et prier Dieu. Et la tente avait comme objectif l'adoration et aussi offrir à Dieu les sacrifices. Alléluia. Et les tabernacles, c'était tout simplement l'image du temple qui devrait être construit plus tard. Parce que dans le désert, comme ils étaient en mouvement, ils ne pouvaient pas construire un temple. C'est comme ça que Dieu leur a demandé de faire cette tente-là. Ils arrivent quelque part, ils déploient, ils font leur culte, ils adorent Dieu. Et ceux qui avaient des choses à offrir, ils offrent à Dieu. Et c'est dans le désert déjà, il y avait déjà la notion du culte. Parce qu'en Israël, ils ne faisaient pas cela. Mais comme Dieu les a libérés pour qu'ils puissent l'adorer et pour qu'ils puissent lui rendre déjà un culte uniquement à lui, déjà dans le désert, il les préparait par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'il a dit à Moïse, voilà, tu dois préparer la tente, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui devrait être dans la tente? La tente avait deux parties essentielles. Il y avait une partie qu'on appelait les lieux saints. Et il y avait une autre partie qu'on appelait les lieux très saints. Alors, dans les lieux très saints, qu'est-ce qui était? On trouvait les coffres d'or. Et dans les coffres d'or, il y avait la loi de Moïse, il y avait la verge d'Aaron, il y avait, je crois, une autre... troisième ustensile, donc il y en avait trois. Et les coffres symbolisaient la présence de Dieu. Rappelez-vous très bien que chaque fois que l'Israël était livré en guerre, à un moment donné, les Philistins sont venus, ils ont pris l'arche, ils sont partis avec. Et en Israël, c'était les catastrophiques parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Alors, dans les lieux saints, il y avait ce qu'on appelle les chandeliers. Toujours dans les tabernacles, il y avait les chandeliers, il y avait le pain qu'on appelle le pain de proposition. Je vous épargne certains détails parce que ce n'est pas ça, mais c'est juste pour comprendre l'essence des lampes. Alléluia. Parce que le thème, c'est nos lampes doivent s'allumer à toujours. Donc, mine de la biso, écoufate, il faut être à la kakayako. Il y a copé la hernionso.
Alors, il y avait les chandeliers. Qui a une idée du chandelier? Qui a déjà vu les chandeliers? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, chandelier na ezabui. Azana ba maboko 7. Côté moko eza 3, côté moko 3 et puis tige moko eza na 4. Alors na ba koignon swana bazako cha ba lampe. Alors na 4 na ba lampe wana on mettait ce qu'on appelle de l'huile ainsi de suite. Pour entretenir, pour maintenir le feu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que dans sa maison, les chandeliers puissent éclairer 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Et chaque élément avait un sens, symbolisait tout un message. Et puis le Kwana Moïse a chaque yé mon côté. Mais nous avons dit que 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 même les mesures, tout c'était Dieu qui avait donné. Dans le tabernacle, il y avait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, Dieu a voulu que les lampes puissent rester allumées 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de la lumière. Dieu aime la lumière. Dieu a besoin de la lumière. Dieu travaille dans la lumière. Nous allons lire aussi rapidement Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. La parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fit. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Alors, ici nous sommes au commencement. Genèse, c'est le livre du commencement. D'ailleurs, si vous allez dans verset 1, Balobi, au commencement, Dieu, c'est-à-dire qu'avant toute chose, avant qu'il y ait quelque chose, Dieu est là. Donc, avant Dieu, il n'y a rien. Tout commence avec lui. Alors, au commencement, Dieu, et ensuite, il y a le verbe créer. Abi, il créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux. Il a créé aussi la terre. Les versets 2 nous précisent. La terre était informe et vide. Naba verset mon soit le billet, elle était chaos. Alléluia. Naba verset mon soit version mon soit mon abagumi hein. La terre où le monde était chaos. Alors, je me suis toujours dit comment un Dieu tout-puissant, un Dieu parfait, pouvait créer aussi un monde vide, chaos. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est qu'on a un peu sur les sons. Que quand nous sommes bandeli, ils allaient à Kokokate. Dieu a créé le monde dans cet état-là, mais au sixième jour, le monde n'était plus chaos. Alléluia. Il a commencé chaos, mais n'a pas fini chaos. Mon frère, au Kobota Mamobola,
mais koku fo mobolaki. Ba problème e akanango. Mais ekoma teke vino mo bimba kakanani non. Parce que même l'Ecclésiaste azoloba sous les cieux, chaque chose a son temps. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, Dieu a créé le monde vide, il y avait les ténèbres. Mais tant on entend un verset Oyo, Balubi, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Donc, Dieu a créé la lumière. La lumière n'a pas existé par elle-même. Dieu a parlé pour que la lumière existe et soit forme. Mais sur autant que les ténèbres n'ont habité, nous allons vérifier. Mais nous avons attendu que nous avons une place pour créer les ténèbres. Bon, qui ne peut vérifier on en a. Soit tant en bien. Mais quand les ténèbres étaient là, origine on a habité. Alors, maintenant, quand Dieu a constaté qu'il y a les ténèbres, il ne pouvait pas évoluer dans les ténèbres. Parce qu'il y a des ténèbres et simbakate. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler. Parce que Dieu crée en parlant. Amen. Il y a un monde qui est un peu plus grand. Si on a posé un milliard, il suffit qu'il y ait l'eau. Et si un milliard, il y a l'eau. Si on a un milliard, il y a l'eau. Si on a un milliard, il y a l'eau. Non, non. Il suffit qu'il y ait la volonté de s'appeler l'eau. Si il lobby, oh ya lobby ana, isalini. Pe na poko na lelo, isifika ka lobali ka bobo na bomo na yo. Oh ezalite, eye. Alo batali lobo moko na vina. Kana ebisa ke na tongo na lamki bo mwasi nga zulele. Na so sambele na muri ka. Ah ngaye, eh ngaye. Ai ga trouble ngaye. E si li ka bo. Côté Patrick Tala bonabonga bi mama. Yo na niveau na yo. Ozana na Bible ko. Nzamba na yo ibite. O banene lelo. Elo ko zo lo ban e san nini li boso nzambe. O ngope sa on valeur. Lo bele lo ba moko esili. Tala, Bible mo susugo, même devant il ko paniquer te zala na maîtrise. Oyebi oyo ndimela. Ce qui kaka lobika Seigneur, papa, lobaka li loba moko. Ce qui kaka lobi, c'est fini, la solution est là. Que la lumière soit et la lumière fit. Yoka verset 4. Ah! Dieu vit que la lumière était bonne. Bandeko. Nzamba kele lokoko atalié moko asepeli nango. Habité, et là qu'on a sali. Ah, et ça qui toque. Mais molili. Bon, c'est quoi, yo lingi molili pour un nid? Et ça va zéna, ou lingi molili pour un nid? Parce que Nkolo Yemoko, à quelle lumière à l'obi, écoutez, vous savez Dieu, hein, il est tellement bon, il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre dise que ce qu'il a fait est bon. Lui-même, il déclare que ceci est bon. Amen. La Bible dit, le verset 4, que Dieu vit que la lumière était bonne. Alors, vous comprenez maintenant que voilà pourquoi même l'Exode, il va dire à Moïse que dans ma maison, le temple, le tabernacle, c'est la maison.
de Dieu. Il dit, il faut qu'il y ait la lumière. Tant pasteur a tindenga nabi, waouh, quel beau thème, pasteur. L'église est en apostant la lumière. Et si quand on a un Paul est un. Vous savez, quand la lumière arrive, il y a une chose qui fait fuir les ténèbres, ce n'est que la lumière. Bon, tout le monde a quand même la carte de la vie. Même attendez tout ça, ce courant qui est en train de se faire. Tu as la même année à Kinshasa, ce courant qui est en train de se faire. Mais ce courant, courant. Donc, et bandi le loté. Mais ambassade makamongo que lumière il faut ezala bien. Voilà pourquoi nous devons aimer la lumière. Nous devons chercher la lumière parce que Dieu est la lumière. Dieu ne pouvait pas continuer l'œuvre de la création dans les ténèbres, non. Dieu n'opère pas dans les ténèbres. Dieu travaille dans la lumière. Vous savez, Pierre, Bakangé, Batiena Bolok. Amen. Je crois que vous allez trouver ça dans Acte 12, si je ne m'abuse pas. Batiena Katia Bolok, l'église priait pendant ce temps-là. On devrait normalement les tuer, Ndenga Bomaki de Jabanin, tout ça, Hérode, Azui de Jabanin. Mais Balobi, tellement que l'église priait, Dieu a entendu la prière de l'église. Atindi, moi je moko akendeku libérer Pierre. Mais quand l'ange entre. Non. Vous savez comment Pierre était, dans quelles conditions il était? On l'arrête. On l'amène en prison. On le met dans une cellule. Mais avant qu'on le mette dans une cellule-là, on les ligote. Maboko bakangi, bachechen, makolo, bachechen. Et ça, la makate. Ce côté, moutouna prison, j'aime beaucoup kangé makolo. Parce que déjà, la prison, on a beau, tiens, la chambre, moko, akobibate, azananite. Mais talandenge, basalaki Pierre, bakangi, maboko, bache, bachen, makolo, pe, bache, na chen, bazue, si kon, nengwana, bache, na kata, cellule. Et puis, na kata, na cellule, wana, bazue, nini, bakangi. Et puis, bakangi pe, ole batikate, mon akata, selil ango, sa, kamwa chambre ango, bazuna ba garde, basoda ba tseli yoana. Est-ce que bon compas mambo ya? Donc, basaki na nemo ke non, donc, abikate, akimate, akangolama, te. Mais la prière est une puissance. C'est une arme plus puissante que la bombe atomique. L'église priait. Voilà pourquoi 14 jours, ils ont la prière. Tant que vous bondez là, impossible comme impossible. Pendant qu'il priait, Dieu a entendu la prière. Il a déclenché le mécanisme. Il a envoyé un ange. Et quand l'ange arrive, waouh. La Bible dit que la cellule moulile Ezaki à ma casse. Mais quand l'ange entre, il y a eu la lumière. Tu peux aller lire dans Acte 12. Toute la cellule était éclairée. Parce que là où il y a les ténèbres, Dieu ne peut pas opérer. Mon frère, ceux qui moulile Ezaki à bon moyen, ils ont un bon salaté. Azana posa, moto, oya tchana katina yoana. Tout le monde a opéré sous le lobby. Mouindana epelaka. Alléluia. Amen. Dieu a porté la lumière, l'ange a porté la lumière, et ensuite il a commencé à opérer. La première chose, Bachène Wana et Katane. Bagarde Bazaki Wana Bazo comprend de l'eau mokote. Pierre Alali, ange aya betiboy. Balou qui a zo comprendre te, Bachène et Katane. Abizwa sandal na yo lata. Zoa mantona yo cha, zoa sentir lata. Nyon soa ne oleka, bagarde bazana me bao comprendre, ilo komo kote.
tala mokolo nzamba ko kita sala bandoki nyon so famille na yo ba ko comprendre le ko mokote pe muto ko pe ki sa sala azate muto pe ki sa azate tant ozo kita il descend dans toute sa plénitude, il descend dans toute sa puissance. C'est comme le jour où il reviendra. Il revient bientôt. Et quand il reviendra pour la dernière fois, par le que sur sa cuisse, il sera écrit le roi des rois. Et tout est, il le verra. Tout est, il le verra. Alléluia. Oh, il est merveilleux, l'homme de Galilée. Basingé Katani, Pierre Atelemi, Ange Albi Landanga, Babimi, Bagardona, Batika Lakakwana, Bao comprendre l'homme mokote. Et c'est comme ça que tant on zamba au sala, bandoki a famille, baï, bako comprendre, bako tika la kana position wala. Abimi, azolanda, babi bako mina porta mounene, ne panye ba détail moussous. Babi la porte là était hermétiquement fermée. Et balobi c'était métallique, donc libende moukwa mounene. Si ko ta bako mi ange di bosso, Pierre Nassima. Amen. Tala nzambe ifoza za liboso na yo na simana ye. Comme ça soki ba danger za liboso yimo kwa ko écarter ango. Mais soki yo zo tcha nzambe na sima, o mona danger bo, o kimi. Et tant wa komi liboso a porte, ba lebi la porte s'ouvrit d'elle-même. Oh, avec la présence, il y a certaines choses automatiquement dans ce programme ici, il y a des choses qui vont se faire d'elle-même automatiquement à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Babi Babimi, Pakei, Bakomi Nanzela, Pierre Andi Mate, Babi Amonaneti, Aolota. Oh, amen. La lumière est bonne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La lumière est très bonne. Job chapitre 3. On va terminer bientôt. Job chapitre 3, les versets 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Ça, c'est Job face à ses amis, ses trois amis qui étaient là pour les condamner, pour les culpabiliser, ainsi de suite. Mais Job reconnaît que l'Éternel donne la lumière à ceux qui souffrent. Donc, ce que nous avons passé, Nzambe, après sa kenini, il donne quoi? La lumière. Dans la lumière, ce que tu ne voyais pas, tu le verras. Au moins, Nesika, Nesika, place Nangotali. Oh, Yangoy. Oh, mais là, on a dit Yangoy. Oh, Yangoy. Parce que tu as la lumière. Voilà pourquoi David pouvait dire que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que mes pieds sont éclairés. Je ne peux pas trébucher. Et sur la voie, il y a la lumière. Mes yeux voient. Mutoazana katina pole, akobete libakute. Mutoazana katina pole, akomona nyonso na misuna ye. C'est pourquoi il dit, il donne la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme.
Dieu est celui qui donne la vie. Parce que lui-même, il est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie ou la vérité, c'est moi. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui donne la vie, et il la donne pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu est la lumière. Il faut aimer la lumière. Il y a, à nous, nous avons la lumière. Nous allons voir certaines choses demain. Mais cette lumière-là doit, une lampe, elle est appelée à éclairer. Amen. Mwinda, ce qui va appeler Sango, au tchango na sena mesate. Mais il faut tchango wapi. Dikolo. Pourquoi? Parce que batubana posa na lumière. Et puis, pour engengi, ça fait bien, il faut dans la position où on bien. Est-ce que vous comprenez, hein? Il faut dans la position où on bien. Il faut dans la place où on bien. Si on a la lumière, mais on a la place à bien être, au bon bien, et moi, mon nana, exact. Mais tant qu'on a la place à bien, nous tenions ça au monde, en gros. Tout le monde aime la lumière. Les gens ont besoin de la lumière. Et c'est toi aussi, tu es la source de lumière. Est-ce que tu le sais? Que tu es aussi la source de lumière. Parce que tu as la lumière en toi. Et cette lumière qui est en toi là, tu es une lampe. Et cette lampe là doit s'allumer et doit éclairer. Éclairer. Amen. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu éclaires. Que tu sois dans la lumière et que tu demeures dans la lumière, pas les ténèbres. Les ténèbres éloignent Dieu. Les ténèbres chassent la présence de Dieu. Dieu a besoin d'opérer. Il a besoin de produire les œuvres. Il a besoin que ta vie soit éclairée. Et que tu sois aussi la source de lumière que tout autour de toi, là où tu vis, qu'on voie la lumière qui est en toi. Et que les gens disent que tu es, elle est une bénédiction pour nous. Elle a la lumière en elle. Le monde a besoin de la lumière. L'Église a besoin des hommes et des femmes dont les lampes sont toujours allumées. Mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue ce soir. Dieu a besoin que cette lumière qu'il a placé en toi reste éternellement. Et cette lumière continue à opérer, continue à éclairer. Tu es le représentant de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il y a la lumière. Corinthiens nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et là où il y a le temple de Dieu, il y a la lumière.
Tu vas dire, Seigneur, éclaire ma vie. Dis, Seigneur, aide-moi à garder les lampes allumées toujours. À garder ces lampes allumées toujours. Élevons nos voix et prions. Oh Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Éternel notre Dieu. Tu nous as parlé ce soir. Tu es celui qui aime la lumière. Tu aimes la lumière. Tu as dit que la lumière est bonne. Seigneur, laisse ce soir que les lampes de nos vies. Seigneur, où mela? Mwinde kufate. Mwinde pela katang nyonso. Seigneur, ceux qui mwinde zopela. Monguna repoussanate. Molili ekoyate. Ceux qui mwinde zopela. Molili ekopoussanate. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel des armées. Jésus, agis pour la gloire de ton nom. Que la lumière reste en nous, Seigneur. Que nous puissions éclairer notre entourage, éclairer là où nous sommes, notre environnement, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu tout-puissant de gloire. Sois loué, sois béni éternel. Gloire à ton nom, l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel. Honneur à toi, gloire à toi. Éternel Dieu tout-puissant, nous voulons que cette parole que nous avons reçue de toi ce soir puisse affecter nos vies. Que nous puissions vivre, Seigneur, ces choses. Que nous puissions vivre ces choses, l'agneau de Dieu. Pour la gloire de ton nom. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.